La sage-femme présente commence à me dire « Mademoiselle, votre bébé va pas bien, s'il meurt, ce sera de votre faute, vous êtes une mauvaise mère. » Alors, donc moi, je m'appelle Marine, j'ai 23 ans. À la base, je suis maquilleuse pro. Quand je suis tombée enceinte, enfin, toute ma vie un peu a basculé et du coup, je me suis reconvertie dans le digital. Je suis tombée enceinte, j'avais 20 ans. C'était une grossesse très désirée. J'ai été beaucoup jugée par le corps médical vis-à-vis de mon âge. En plus de ça, ma grossesse s'est très mal passée au tout début. À 15 jours de grossesse, déjà, j'étais malade. Forcément, vu que j'allais pas bien, j'essayais de consulter pour voir un petit peu quelles étaient les différentes méthodes pour que ça aille mieux et comprendre aussi ce que j'avais parce que je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Et en fait, à aucun moment dans ma grossesse, on a pris en compte ma douleur, mes inquiétudes. On m'a jamais écoutée en fait. Donc pendant ma grossesse, j'ai été hospitalisée deux fois. Les deux hospitalisations se sont pas très bien passées. Pareil, on n'écoutait pas mes douleurs, mes inquiétudes. On m'a traitée de chochotte. Jusqu'au jour où l'accouchement arrive, j'ai eu une première anesthésie pour poser la péridurale. Et ça a été fait par une jeune fille, une interne. Elle est arrivée, elle m'a dit « je vais procéder à la péridurale ». Elle m'a rien expliqué. Elle m'a juste dit « il faut que vous vous mettiez dans telle position ». Je m'exécute et là, une douleur encore terrible. Je hurle dans l'hôpital et là elle me dit « Mademoiselle, c'est de votre faute, vous avez bougé ». Un autre anesthésiste arrive et là pour le coup je ne sens rien. Le seul souci c'est que ça n'a pas fonctionné sur moi. Mais en plus de ça, ça m'a complètement paralysé le bassin. Ce qui fait que du coup le bébé a commencé à aller très très bien, son cœur a commencé à ralentir. C'est là que la sage-femme présente commence à me dire « Mademoiselle, votre bébé va pas bien, s'il meurt ce sera de votre faute, vous êtes une mauvaise mère ». J'étais tellement choquée sur le moment et j'étais tellement vulnérable avec la douleur et puis tout le moment en fait. J'espère juste que ce moment passe le plus vite possible. Ils ont appelé un gynécologue de garde. Lui, pareil, il s'est même pas présenté, rien du tout. Il a juste dit on va faire une ventouse. Je savais pas ce que c'était. Et donc, il me met la ventouse dans le vagin, il sort mon fils. Et en fait, au passage, il me déchiquette tout. Et mon bébé me le lance sur moi. Heureusement, mon mari était à côté et il a à moitié rattrapé parce que toute seule, j'aurais pas réussi. Il a fallu me recoudre. Sauf que vu que l'anesthésie n'avait pas fonctionné, ils ont commencé à me recoudre à vif. Ils n'arrêtaient pas de me dire arrêtez de bouger, on ne peut pas faire notre travail correctement. Au bout de quelques minutes, je pense 20-25 minutes, ils ont enfin daigné appeler un anesthésiste pour me réanesthésier, pour pouvoir recoudre. J'étais complètement consciente. Mais j'avais les yeux fermés et ils pensaient que je ressentais rien et que je n'entendais rien. Ils ont commencé à pas m'insulter, mais me dire que voilà, ils avaient passé une soirée de merde à cause de moi. Et donc à ce moment-là, t'as juste envie de mourir et t'as juste envie que ça s'arrête en fait. Il a fallu un bon mois avant que je réalise en fait ce qui m'était arrivé. Je faisais énormément de cauchemars. J'avais aucune connaissance des violences gynéco avant, j'en avais jamais entendu parler. J'ai commencé à faire des recherches sur internet. C'est là que le mot violence gynécologique m'est apparu. Et puis j'ai commencé à lire quelques témoignages de femmes et je me suis dit je suis peut-être pas la seule. Une optique de rencontres en fait avec des femmes qui avaient vécu à peu près la même chose que moi pour échanger et finalement me rassurer pour me dire je suis pas folle quoi et ce qui m'arrive j'ai le droit de dire que c'est pas normal. C'est après en fait quand j'ai créé Balance ton utérus et que j'ai commencé à recevoir énormément de témoignages que là je me suis rendu compte de l'ampleur de la chose et que finalement non c'était pas si anodin que ça et que c'était vraiment des pratiques très banalisées. Je pensais que j'allais recevoir 2-3 témoignages. Jamais j'aurais eu l'idée de créer un compte comme ça, qui a pris autant d'ampleur et c'est génial parce que ça dénonce les faits et il y a énormément de femmes que ça aide. En ce moment, j'ai au moins 20 ou 30 témoignages par jour. J'ai eu des médecins qui m'ont dit que tous les témoignages, c'est moi qui les écrivais, qui les inventais. Parce que je prône aussi le féminisme et ce sont des hommes souvent qui sont contre le féminisme, etc. Donc ça, je réponds même pas, je bloque tout de suite. Des
jeune fille qui ne savait pas forcément quoi faire plus tard comme métier. Et du coup, le comte leur a donné l'idée de devenir soit sage-femme, soit gynécologue, pour être quelqu'un de bienveillant et changer en fait les générations futures de médecins. Et ça, je trouve ça génial parce que, enfin, d'inspirer comme ça des jeunes générations, enfin, je trouve ça top. Je raconte mon propre témoignage. Ce que sont vraiment les violences gynécologiques et obstétricales. Toutes ces explications sont accompagnées de témoignages à chaque fois de différentes femmes. Je vais aussi aborder les points juridiques, comment se défendre face à ça, quels sont les parcours possibles pour porter plainte. J'explique aussi comment communiquer aussi avec les jeunes, parce que je pense que l'éducation sexuelle en France n'est pas encore au top niveau. Aussi le témoignage de mon mari aussi qui explique comment il a vécu les choses. Donc il coûte 16€, il est disponible sur Amazon, sur la Fnac, Cultura, tous les libraires aussi, vos libraires habituels de votre ville, et il est édité aux éditions Kiwi. Donc voilà, et il est disponible le 11 juin.